C'est dans ce bar du quartier de la Loubière à Toulon que les Dixicats ont débuté. 15 ans que Jean-Pierre le guitariste et Didier le chanteur font tourner leur show dans ce quartier toulonnais qui est loin d'être froid. Le truc des Dixicats, c'est l'Amérique, un continent qui s'ancre à Toulon et libère un contingent de marins US qui se noient dans les pubs de la ville. Ça vient de l'époque, des époques des années 70, 60, enfin 75, 77 quand même. Parce qu'en 70, on était quand même petit. Et disons qu'on a vécu avec le. C'était l'époque du rock'n'roll, les rockers, tout ça. Et puis on a vécu avec ça. Et puis on a appris à jouer un instrument. Et puis on a voulu faire la musique qu'on aimait. Et puis ce qui est bien, c'est que ça rejoint quand même les marins américains. Parce qu'on a eu l'occasion de jouer dans pas mal de pubs. Où il y a eu des marins américains qui sont venus nous voir et qui ont vraiment apprécié ce qu'on a fait. Quinze ans de carrière, ça se fête. Les Dixicats ont garni le filet avec un CD qui résume leur parcours depuis le début. C'est un CD qui retrace toute l'existence du groupe. Depuis 15 ans en arrière, c'est-à-dire qu'il y a un peu tous les musiciens qui ont participé au groupe. Et puis on a voulu faire ce CD justement pour faire plaisir au public qui nous suit depuis une quinzaine d'années, retraçant un petit peu toutes les sortes de musique, c'est-à-dire du rockabilly à la balade country music, et en essayant de faire un peu des paroles en français. Les Dixicats vivent, travaillent, font de la musique depuis Toulon, une situation géographique qui ne facilite pas une carrière dans la musique. Il n'y a aucune aide, il faut se débrouiller par soi-même. Hein, je veux dire. Les locaux de répétition, il faut qu'on se débrouille nous-mêmes. Hein, et puis en ce qui concerne les répétitions, ben, on répète à peu près 2-3 mois dans l'année. Quoi. Il faut franchir ces barrières pour y arriver. Mais étant dans la région toulonnaise, on a un peu plus de mal. Enfin non, plus de mal que les autres, c'est pas vrai. Mais bon, il faut se battre, comme je disais tout à l'heure. Il faut vraiment se battre et il faut persister pour y arriver. Et ce qu'on essaye de faire depuis 15 ans. Bon, c'est vrai, ça fait 15 ans, quoi. Bien décidés à se lancer dans le grand bain, les Dixicats ont déjà des chansons pour enregistrer un nouveau disque, une maquette grandeur nature qu'ils entendent bien faire écouter aux maisons de disques parisiennes. Les Dixicats, s'ils passent à côté de chez vous, sachez que l'ambiance est assurée.